Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour l'épisode 2. Alors attendez, je vais gentiment me recaler le micro comme il faut. Pardon pour vos oreilles. Donc on se retrouve pour l'épisode 2. Alors j'ai pas mal avancé. Et j'ai un pote qui a joué aussi avec moi. Donc vous voyez que j'ai fait pas mal de choses dans le camp déjà. Je me rappelle plus si la ferme était là, mais en tout cas, maintenant j'ai une carrière. Là, j'ai du bois en direct ici, le bois de charpente. J'ai fait cette statue. Cette statue, en fait, elle vous sert à renforcer les pales ou ses capacités avec les petites statuettes vertes qu'on trouve cachées un peu partout. J'ai mis cette espèce de forge, cette fournaise de fortune, comme ils appellent. J'ai capturé pas mal de pales, je leur ai mis la source d'eau chaude. Il y a des nouveaux établis. Y a la deuxième cabane, je crois qu'elle n'était pas là non plus. Vous voyez, j'ai pas mal avancé. Il y a un poste de garde de chaque côté. Alors là, j'ai fait un truc, ça n'est d'aucune utilité, c'est juste un décor. J'ai fait un bar. Avec une terrasse. Ça ne sert à rien. Mais bon. Voilà, j'ai fait un poste de garde ici à cette entrée. Vous voyez, avec lui qui reste là. Et j'ai fait le même de l'autre côté. J'ai capturé les 30 pales qu'il fallait pour l'objectif. Vous voyez maintenant, tout ce que j'ai, c'est préparation pour le boss. J'ai aussi une nouvelle tenue, armure en fourrure. J'ai fait un petit peu d'exploration. Je suis allé dans une grotte. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai capturé. Et dans cette vidéo, on va se préparer pour le boss. Donc ça, c'est les pales que j'ai sur le camp. On les a vues, hein. Et ça, c'est ceux qui sont sur moi. Lui, il faut que je vous le montre, le Typhon, là, parce que celui-là est spécial. Après, cette équipe-là, je vais peut-être pas la garder pour faire les boss, hein. J'ai des Sweeps, mais j'ai un Sweepa aussi, qui est beaucoup plus gros. Il peut servir de monture. Donc vous voyez, j'en ai capturé pas mal. Pendant le off, on va dire. Maintenant, oui, je vais vous montrer le Typhon. Parce que regardez celui qui est là-bas. Et regardez celui que j'ai capturé là. Ah, un raid. Bon. Patrouille de braconniers. Bon, on va se faire attaquer. Bon, entre les pales que j'ai sur le camp et celui que je vais envoyer en plus quand ils vont arriver, on devrait être relativement tranquille. Ils arrivent d'où? Par contre, lui, j'aimerais bien qu'il traîne pas trop dans mon camp, parce que si jamais il y a un coup qui part pendant la guerre, s'il nous attaque, on est dans la merde. Moi, ils arrivent d'où? Ils arrivent pas du ciel, quand même. Ah non, ils sont là-bas. Hop. Regardez, je vais pas faire grand-chose, hein. Voilà. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Hop. Merde, qui c'est qui m'a... J'ai pas vu qui m'a... C'est pas le mammouth, j'espère.
Oh non! Oh les cons! Il s'est passé exactement ce que je craignais. Ils ont chauffé le mammouth. Sauf qu'il est niveau 35, ce con. J'étais pas censé avoir un arc, moi. Je peux me cacher, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, hein. À cause d'eux là. J'avais une super boule en plus avant, mais je l'ai plus. Bon, j'en étais sûr, le mammouth il se baladait dans le camp. J'étais sûr que ça finirait mal. Bon, t'as fini toi? Ça a été un carnage, tous mes pals y sont KO. On va les mettre sur une autre page. Faut que je les remette tous ici. Ah, attendez. Ouais, si, ils sont tous KO. On va tous les mettre là. Et on les remettra sur le camp après. Parce que là, ça a été un vrai carnage. On s'est fait défoncer par le mammouth. Mais en même temps, le mammouth, il a un niveau. Et donc là, pour améliorer le camp, un établi pour sphère et une glacière. Tout ça, ça se débloque évidemment dans les technologies. Mais je crois que je peux pas encore, encore le faire, non, niveau 13. Et l'établi pour sphère niveau 14. Bon. Mais il n'y a plus personne sur ce camp, du coup. Attendez, parce que là j'ai mon arc. Mais la torche, on s'en fout. J'ai pas une batte de baseball normalement. Ah si, elle est là. On va mettre la hache en vrai. C'est plus important. Bon, vous voyez, le raid c'était assez tranquille, mais ce qui a foutu le bordel, c'est le mammouth qui est venu. Est venu s'intercaler là-dedans. En fait, il m'a foutu le bordel, lui. Ça passe plus le temps de dormir. Ah, ça marche que la nuit, je pense. J'aimerais bien qu'il dégage de là, ce mammouth, qu'il arrête de traîner là. Après, j'optimiserai l'équipe aussi, hein. Je vais pas forcément partir avec ceux-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader. Évidemment, je ferai toujours des cuts. Mais on va aller se balader. Il y en a partout, là. Et on va essayer de se préparer pour affronter. Le boss de la tour. Parce qu'on va avoir besoin d'un peu de préparation. Et après, on verra bien ce qui se passera après le boss de la tour.
Non, et on le laisse tranquille. On se retient surtout. On va pas le tabasser. C'est dommage, on peut pas avoir une petite carte tout le temps affichée, ce serait pas mal. Pour savoir à peu près dans quelle direction on va. Parce que là, par exemple, j'ai mis ce point, mais il apparaît pas. Contre le stick, j'avoue, sur la carte. Et puis j'ai mon perso qui continue d'avancer. On va aller voir par là. Après, on peut aller dans la flotte, hein. Mais j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'on dirait quand même un grand squelette. Bon, par contre, c'est vrai que le son est pas terrible. En vrai, je vous confirme ce que j'ai dit dans la première vidéo. Après, je l'ai peut-être coupé ce moment-là. Je sais pas, dans le montage, je me souviens pas, mais c'est vrai que le son est pas terrible. Mais en fait, ils ont expliqué qu'il y a des mises à jour qui avaient du retard sur ces versions-là, Xbox et Game Pass, en gros. En fait, je voudrais voilà, aller par là. Et il y a du retard parce qu'en fait, il y a le système de validation de Microsoft ou je ne sais quoi, qui met un petit peu plus de temps que sur Steam, par exemple. Et donc, bah, les mises à jour arrivent un peu après sur cette version-là. Bon là c'est comme pour les premiers épisodes, hein. Je ferai pas mal de coupures. Savoir que le premier épisode il durait 1h10 à peu près, hein. Avant montage. Donc j'ai quand même pas mal coupé. C'est vrai que il se passait pas énormément de choses par moment, donc. Ah, vous m'en voulez pas, par contre j'ai le nez pris. Je fais ce que je peux. Pour pas renifler et tout, mais il y a des fois où c'est un peu compliqué. Il y a des moments où je peux pas faire autrement. Je sais pas si j'ai bien fait de partir alors qu'il va faire nuit. On va plus rien voir. Bah, il est là mon point. Enfin, il apparaît. Parce que je me suis pas mal barré par là, mais c'est vrai que. Je suis pas allé encore trop loin non plus. J'attendais d'être un minimum équipé pour partir.
Oh, un facochère. Je n'ai pas lui. Bon, j'en ai perdu une, hein, parce qu'évidemment, je l'ai jetée à côté. Voilà. Merci. Un cochon. Des petites flèches là. On l'a eu, voilà. Lui, je ne l'avais pas. Lui là-bas. Je l'ai pas non plus. Oh, il est niveau 13. J'avais pas fait attention à ça, moi. Il est plante, c'est con, j'ai pas. J'ai plus avec moi celui qui. Celui qui fait des flammes. Je l'ai pas avec moi. On va faire attention parce qu'il va m'attaquer moi aussi. J'ai plus énormément de points de vie non plus, hein. Non! Fais pas le con, toi, me le bute pas. Putain, j'ai plus de vie. Non! Mais non! Putain! Ah, je me suis fait avoir. Le hameau. On peut leur parler. Tu vois. T'as déjà perdu des pales après t'être fait attaquer par un ennemi. Si c'est le cas, rapproche-toi de ce marchand de pales là-bas. Si tes pales se sont retrouvées sur le marché, tu pourras peut-être les racheter. Le syndicat de Rain revend aux marchands les pales braconnées ou volées. C'est vraie pourriture. L'autre, on va pas aller le chercher hein, parce qu'il est niveau 23. C'est une grotte là. Ah, attendez. Boss niveau 13. Normalement, ça devrait être bon. On est niveau 12, mais on. Après, c'est vrai que je vais me méfier quand même parce que bon. Merde. Il me l'a éclaté l'autre. Allez, remets-lui un petit coup. On va essayer de le choper. Allez, s'il te plaît. Voilà. Parce que là, c'est aussi comme ça qu'on prend l'XP, hein. On va explorer ça tranquillement. Tiens.
Des connards. On va leur mettre des coups de batte de baseball. Hein. Des petits braconniers. Ah, il est bugué. Voilà. Après, je vous avoue que pour l'instant, les donjons, j'en ai fait qu'un. Mais de ce que j'ai pu voir, ça se ressemble toujours beaucoup, hein. Je vais pas trop utiliser mes boules non plus là parce que mes boules, mes sphères, bon, tant pis. Parce que y a un boss à la fin et j'avoue, j'aimerais bien l'avoir. Ça mange beaucoup, ça. Optimise ton équipement, machin. Ouais, ça, c'est toujours le même objectif. Mais surtout, en plus, il y a des coffres à récupérer à la fin. Le boss, vous le battez ou vous le capturez. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais il y a des coffres à récupérer. Il y a un coffre au milieu d'un truc là. Genre quand je vais y toucher, il va rien se passer. Là, quand je vois toujours un coffre planté au milieu d'un truc qui ressemble à une arène, moi je me méfie toujours. Je peux pas m'empêcher de me dire que... Il y a un truc qui va apparaître et qui va m'attaquer. Par contre, comment on remonte de là? Comme ça? Vraiment? On va réussir à escalader jusqu'en haut. On va attendre un peu que l'endurance remonte. Je sais pas à combien de temps on en est là. Presque 40 minutes. On n'aura pas avancé tant que ça au final. Putain, on peut pas manger des petits champignons, des trucs comme ça. Ah, on y est. J'avoue, si je pouvais avoir le gros, ça m'arrangerait. C'est bien qu'il s'occupe des petits là.
Voilà, une fois qu'on aura plus de petits dans les pattes, on sera un peu plus tranquille. Putain. J'ai plus beaucoup de points de vie. J'ai plus de flèches non plus. On va essayer de la voir. Hein. Merde. J'ai plus beaucoup de vie, hein. Je fasse attention. Hein. Ah oui. Et on l'a eu. Et niveau 13 en plus. Allez. Ça c'est bien. Maintenant faut qu'on aille là-bas. On a eu la version Stokos. Là vous voyez, vous avez deux coffres. Livre de technique supérieure. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va voir ça après. Et là, sortir du donjon. Là, on se retrouve dans le hameau. Bon, ça, c'est du bois de charpente, c'est pas ça qu'il me faut. Alors, on va aller voir si on a de quoi faire le bouclier. Je pense que ça va être pas mal utile. Bouclier. Lancer la production. On y va. Puis après, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin sur cet épisode. Et puis qu'on fera un épisode après où je serai prêt. Aller voir le boss. Et puis bah on ira. Ok. Donc là on a le bouclier. Il y a le planeur que j'ai pas débloqué. Mais ça faut que je regarde dans les. Dans les technologies, en fait. Ouais, ça peut être pas mal. Alors on va s'optimiser tranquillement comme ça. Le mammouth il est là pour l'instant. On le laisse tranquille. Je vais m'en prendre à lui. Mais pas pour le moment, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.